dernière demi-heure de la journée, une troisième place à aller chercher. Remotivez-vous, on se remobilise, même contenu que ce matin. Le match de cet après-midi, il y avait du bon. Le mauvais, on l'enlève de côté, on le met de côté, pardon, on retravaillera sur les semaines d'avenir, on se remet sur le positif. On remet en place notre défense, on remet là 1, 2, 3, énormément de densité physique secteur central. Si ça rentre dans le dispositif, on vient fermer à 2, c'est bon. On remet de la communication, prenez des repères. Si mon partenaire a perdu, je viens aider. Si mon partenaire a encore en capacité de défendre, on laisse, on fait confiance. C'est bon, on fait confiance à Ewen sur les tirs extérieurs. Ouais, attention, placement, couper trajectoire. D'ailleurs, on essaye de remettre un petit peu plus de rythme. On joue, on pousse les ballons, engagement rapide. Montée de balle, on reprend Sacha ou Simon ou Marius quand vous êtes trois haut. Vous projetez très vite pour que Ewen, il a un relais long. C'est bon, poste 2, course sensée, numéro 1, vous partez. Le 3 bas, Lucas, tu restes en relais court en dehors des 9 mètres. C'est bon, soit à droite, soit à gauche, vous organisez. Par exemple, si le pivot il monte au-dessus des 9 mètres, ouais. Je l'accompagne. En défense ? Oui. Ouais, tu peux accompagner, tu passes entrer entre lui et le porteur de balle. On viendra compenser. C'est bon ? Ouais, mais du coup, c'est là, on perdra pas les duels. C'est bon ? Oui. En attaque, on reprend. En attaque, on reprend ce qu'on a mis en place ce matin. Il y a des chances que ça passe comme ce matin et vont se remettre sur la 06 de zone. On essaye de les rebattre secteur central de loin. C'est bon ? Ouais. On joue 3200. Si ça reste aplati, les shooters, vous pouvez y aller. Liam, Clément, Marius, vous pouvez, Elliot, vous pouvez shooter par-dessus. Si ça se désaligne, solution pivot. Sinon, continuité sur les extérieurs. C'est bon ? On prend premier temps autour. Deuxième temps, vous faites rentrer un deuxième pivot. Premier temps autour, 3200. Deuxième temps, deux pivots. C'est bon ? C'est 3 ! Ah non, sur le repli défensif, regarde ce qui se passe. Sacha, pas trop, on resserre central. Max, resserre, on perd pas de duel. On s'organise, orientation Marius. Yam. Enlève le dribble et donne directement à Marius. Marius, il est désaligné. Tu peux jouer directement et gagne une seconde. Et le défenseur, il t'embête plus sur la trajectoire de passe. Allez. Dès qu'il n'a plus de crédit d'action, on va le harceler. Martin, tu te prépares? Max, prochaine. Allez. Martin, on fait attention défensivement avec le repère. Avec Liam. Si Liam il a perdu, tu viens fermer. Si Liam n'a pas perdu, si l'attaquant n'a pas passé sa ligne d'épaule, tu restes à ta place. Ok? Pour pas te créer d'espace trop grand là-bas. Allez, viens Max. Activité défensive, elle est bonne. Donc regardez le jeu, regardez le but en face de toi. C'est bon ? Simon, prochaine ! Tu fais passer Marius en demi-centre. Tu défends le numéro 1. T'as la chance, hein, Sacha ? Hein, je t'aurais mis deux là-dessus. Hein. Il est derrière toi ? Bah oui, mais il est face au but, tu dois pas le toucher. Elio, tu te prépares? Aile gauche, numéro 1. Tu fais passer Marius, 3 haut. Clément, numéro 2. C'est bon? Comme tout à l'heure. Il décale tout le monde d'un cran vers la droite. Tu te projettes sur la montée de balle? Essaie d'avoir un petit temps d'avance si tu sens que ça va tirer à l'opposé, à côté gauche. Tu peux anticiper un petit peu. Comme Sacha, ce qu'il fait. C'est bon? Sacha, prochaine. Clément, si sa ligne d'épaule elle est passée, viens aider, viens fermer avec lui. On est en supériorité, c'est bon, on est en supériorité. On met pivot Lucas entre 2 et 3, à 1 et 2 pardon, à gauche, c'est bon. On va jouer sur les extérieurs à droite. Si le numéro 1 il vient couper Martin, c'est pas grave, Martin tu te remets dans le coin de l'aile et c'est Elliot qui va fixer extérieur, c'est bon. Thibaut, tu viens jouer ici, c'est bon, pour attirer numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour créer un 3 contre 2 à gauche, c'est bon. Toi Clément, tu prends une grande course en C, tu viens jouer secteur central ici, c'est bon. Si il y a l'espace qui est ouvert ici, soit tu shootes de loin, soit tu traverses en fonction de ce que tu as analysé, ok. Si poste 2, il sort, tu peux jouer en relation avec le pivot. Si le numéro 1, il anticipe, tu peux jouer avec l'ailier, c'est bon. Parce que là, y a bloc. On y va. Mais non, mais... Il nous reste encore un quart d'heure à jouer. Attention, c'est en attaque, c'est bien. Par contre, on fait des petites erreurs bêtes individuelles en défense sur du travail de placement, d'orientation, ou si on envoie nos adversaires sur les extérieurs, on va permettre à Ewen de s'organiser
plus facilement. C'est bon ? Attention, Elliot, change-moi tes appuis de sens. Là, quand tu défends numéro 2, tu avais le pied droit devant et tu lui offrais l'espace intérieur. Moi, je veux que tu mettes ton pied gauche devant. C'est bon ? Tu le laisses courir extérieur et tu viens fermer. C'est bon ? Il y a juste ça à réguler un petit peu. Hein, parce que le jeu à deux pivots, on l'a compris. Quand c'est notre ailier qui rentre, on suit. Et derrière, le poste 2, il a juste à fermer pareil, de ce côté-là. C'est bon ? On continue à bien communiquer défensivement, fermer les espaces à deux. J'aimerais qu'on arrive à trouver ce repère sur le duel. Si mon partenaire est battu, je viens l'aider. Le repère, c'est est-ce que le porteur de balle a passé la ligne d'épaule de mon partenaire. Si c'est le cas, je viens fermer. Sinon, on laisse son partenaire se débrouiller. Ayez confiance en vous et la personne qui est à côté de vous. C'est bon ? Parce qu'on a perdu peu de duels. Parfait, excellent ! Marius, je pense que tu peux mettre un petit pas en plus de profondeur pour vraiment amener le numéro 1. Liam, s'il est à 9 mètres, neutralise-le. Il est devant toi, tu n'interviens pas. Allez. Allez, Lucas. On pose, temps faible, et on joue. Très bien, Marius. On fait comme tout à l'heure, on switch, on repasse en 0-6. C'est bon ? Vous êtes réactif. Quand je vous demande de repasser en 1-2-3, on re-switch très vite vers la 1-2-3. C'est bon ? Soit 0-6, pas on est à 6 mètres et juste on les attend. Hein. Dès que ça met un pied dans les 9 mètres, on vient mettre une pointe, on vient toucher. C'est bon ? Attention, si c'est côté pivot, à bien vous répartir. Qui reste sur le pivot et qui sort sur le porteur de balle ? C'est bon ? Donc on met la communication. Sur grand espace, du coup, sur la 0-6, poste 2, pour censé vous écarter, numéro 1, vous partez. Sacha, c'est toujours toi qui te projette et Lucas, tu es toujours en relais court. C'est bon ? Pas de drift dans notre demi-terrain. C'est bon ? En attaque placée, on rejoue sur le petit croisé à partir d'un duel de Simon sur le 3 bas extérieur et on enchaîne. Sur le deuxième temps, si on ne gagne pas sur le croisé, on prend son temps, on repose un temps faible puis on fait rentrer un pivot, un deuxième pivot. C'est bon ? Allez, Lucas. Simon ! T'as vu un espace en face de toi ? Les bras, Liam, prends la place. Lucas, prends la place. Très bien, excellent. Hop, joue là. On joue ce qu'on a dit tout à l'heure. Hasard, on l'a, c'est demi-centre qui l'annonce. Thibaut, tu l'annonceras. On n'est pas obligé de le jouer sur cette action-là. Quand je te fais signe, on joue hasard. C'est bon ? Tout simple, tu passes pivot entre 3 et 3. C'est bon, on est temps faible. La balle, elle va jusqu'à l'ailier gauche. C'est bon. Et yo, si gardien et tu peux shooter, tu vas shooter. Sinon, Liam, tu viens courir dans cet espace-là. Et hop, et tu envoies ici. C'est bon ? Je fais coup fort. Attention, propre sur la passe. Hein. Propre sur la réception. C'est bon ? Si je vous l'annonce. C'est bon ? On y va. Merci. Bien joué. Bravo. Bien joué. Bien joué. Bon match.